Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ou l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonne fête à toutes et à tous. Au moment où nous célébrons ce grand moment de la visitation de la Vierge Marie, c'est désormais une tradition maintenant à la cathédrale que ce soit ce soir-là que nous nous rendions visite les uns les autres avec les donateurs de la cathédrale, chers donateurs et donatrices. Ensemble, prions donc Marie en ce vendredi et confions-lui toutes nos intentions au début de cette messe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Je supplie la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Proclamons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, nunc dolis peccata dexteram patris miserere nobis. Gloriam tus solus sanctus, tus solus dominus, tus solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs, il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, quel bonheur que de se retrouver ainsi chaque année en la fête de la Visitation entre Marie et Élisabeth, et avec vous tous qui bien souvent en hâte, vous aussi, tâchez avec vos moyens de venir à la rencontre de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour l'aider à vivre et à grandir, à témoigner et à rayonner. Quelle belle rencontre historique que celle de Marie et d'Élisabeth, et à travers elle, de Jean-Baptiste et de Jésus. Quelle belle rencontre voulue, prévue, annoncée, organisée par l'Esprit de Dieu le Père pour la beauté, pour l'amour de l'humanité tout entière. Oui, ces femmes sont bénies. Et le fruit de leurs entrailles sont bénis également. Tout cela, c'est pour nous. Tout cela, c'est pour notre bonheur et notre santé. Nous pouvons dire, nous aussi, comment avons-nous ce bonheur quand chaque Eucharistie, notre Seigneur vienne comme cela jusqu'à nous. Nous pouvons dire, nous aussi, comment
avons-nous ce bonheur de nous retrouver dans des communautés chrétiennes, et spécialement ce soir à Notre-Dame, ou parce que nous avons la foi, parce que nous sommes aimés du Christ, nous nous saluons ici comme des frères et comme des sœurs. Comment avons-nous ce bonheur de réaliser qu'au cœur de ce monde, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, des très âgés même, continuent de décider d'aider à vivre Notre-Dame de Paris. Alors, vous avez entendu ce magnifique texte que cette rencontre historique nous vaut, le Magnificat, comme nous le chantons et nous le disons si souvent ici même, encore ce soir. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. À nous de faire en sorte qu'aujourd'hui encore, nous disions, nous proclamions bienheureuse la Vierge Marie. À nous qu'ici à la cathédrale, nous puissions témoigner que le Seigneur fait pour nous des merveilles. À nous de dire que son amour se donne à tout homme et à toute femme, qui que nous soyons, quoi que nous fassions. À nous de développer l'humilité et de développer la confiance dans celui qui est la force, celui qui est l'amour, celui qui est le pardon. À nous de saisir cette opportunité pour continuer d'être attentifs à ceux qui savent ouvrir les mains, à ceux qui ne sont pas comme ces riches que le Seigneur renvoie les mains vides. À nous d'être des servantes et des serviteurs qui poursuivent aujourd'hui la promesse faite à Abraham et à tous ses descendants. Alors, qu'en ce jour de la Visitation, nous redoublions d'amour, de chaleur, de reconnaissance les uns envers les autres, et que nous découvrions toujours plus quel est le chemin auquel nous appelle le Seigneur, spécialement vous, mes chers amis, les donateurs, les bénévoles, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, par leur argent ou par leur temps, aident la cathédrale à marcher à la suite du Christ. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as aimé, Seigneur, l'empressement de la Vierge Marie. Accepte aussi avec bonté le sacrifice que nous offrons pour notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorerons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Lorsque le Saint-Esprit l'a couvrie de son ombre, elle a conçu ton Fils unique, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa grâce et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté,
sur les membres de la famille Boyot pour qui nous célébrons cette messe. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Denis, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions. À l'intention de tous les bénévoles, de tous les donateurs de cette cathédrale et pour les membres de leur famille et en communion avec nos frères et sœurs du monde entier, nous disons cette prière. Notre Père, que ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ, Père Martin. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ réunis en cette coupe nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que ton Église te magnifie, Seigneur, pour tant de merveilles. Comme Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse en discernant le Christ avant sa naissance, qu'elle accueille avec joie dans l'Eucharistie ce même Christ toujours vivant, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant pouvoir nous recueillir comme chaque vendredi soir, avec l'aide des chevaliers du Saint-Sépulcre, devant la Sainte Couronne d'Épines, que ce soit pour nous l'occasion aussi de nous préparer à l'heure d'adoration, dimanche, en communion avec le pape François, demandé par le pape François à 17h ici même, avec l'archevêque, comme dans toutes les cathédrales du monde. Nous prierons pendant une heure, ici et ailleurs, le Saint-Sacrement, qu'aujourd'hui nous puissions prier devant cette couronne d'épines en pensant aux souffrances et à la passion, comme nous l'avons dit tout à l'heure, du Christ, avant de nous donner définitivement cette vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi en l'unité de l'Esprit-Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit-Saint. Et comme chaque soir à Notre-Dame, nous nous tournons vers Marie. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules venire, a te suspiramus, gementes et frentes, Merci, M. Castagnier. Les bénévoles qui ont reçu leur invitation, les donateurs, sont attendus sur le parvis près des tentes entre la statue de Charlemagne et les tentes du Jubilé. Et là, nous vous retrouverons avec les chapelains. Merci.